Il était une fois, au 19e siècle, un ingénieur qui inventa et créa le Toy-Train pour accéder à Darjeeling depuis Calcutta. C'est dans la plaine que nous apercevons pour la première fois le Toy-Train. Sa voix est très étonnante. Bonjour. Nous continuons en direction de Sunka. Nous sommes en bus. Nous ferons un petit arrêt dans cette gare. Cet endroit a su conserver l'aspect de son origine du 19e siècle. Rappel de notre chauffeur de bus, parce que nous devons prendre la route pour Darjeeling. La route que nous prenons longe la voie du Toy, au milieu d'un paysage de montagne. Au mois de mars, nous sommes en 1997. Nous ferons un petit arrêt à la gare et atelier de Pindaria. Ces locaux d'orchestre datent du 19e siècle et ont été fabriqués à Glasgow. En cet endroit, on les met sous pression, on les répare et elles seront prêtes pour un nouveau voyage. Nous avons la chance d'avoir un contact avec ces hommes qui pratiquent tous les jours ce genre de travail de charger les machines en charbon, de les alimenter en vapeur pour qu'elles soient prêtes au départ à l'entretien métallique. Vraiment, cet endroit est un endroit de pause. On verra que les chargements se font commis à l'appel, commis manuellement. Et l'on charge la poudre. Nous saluerons le courage de ces hommes et nous les remercierons par eux-mêmes de leur accueil si sympathique. Nous continuons notre route en parallèle avec la voie de fer. 109, 1000 ponts, 83 km de métro entre 10 et 20 km à l'heure, malgré la vitesse non réglementée. Sur notre route, nous surplombons différents villages et nous voici arrivés à Darjeeling. Vraiment, il ne fait pas chaud aujourd'hui. Et nous rencontrons la doyenne du village. Nous allons faire un parcours sur le mini toy train comme si nous faisions un tour de magie. Nous assistons aux préparatifs avant le départ et nous jetons un regard sur l'environnement que la gare, appelée ici évidemment, comme en anglais, station. Eh bien, nous prendrons place dans un des trois wagons attelés à cette locomotive top. Il ne doit pas faire très chaud car les gens sont bien couverts. Un dernier coup d'œil sur le
avant notre grand voyage de quelques kilomètres. Surprise pour tout le monde de voir ici des étrangers prendre le toy train. Le contrôleur s'assure que nous ayons bien réglé notre et l'aventure va commencer avec le bruit toc-toc de la locomotive et de passer au-dessus des maisons. Et voyez, nous ne sommes pas lancés à grande vitesse puisque des gens arrivent pour courir après le train pour le rattraper. Au travers de la vitre du sol, le paysage et la vie décrivent heureux. Petit arrêt, comme les gens, la loco à soi. Donc on peut dire que c'est le bar du locomotive. On en profitera par la même occasion de charger en charbon, comme si on prenait un petit encart. Mais pendant ce temps, ce sadou habillé de rouge nous observe. Après avoir bu et renourri, la loco redémarre bien lentement. Et vous pouvez courir après pour rattraper le train. C'est très facile, ne faisant toujours pas de très difficile. Dans la descente, vous remarquerez que le train prend de la puissance. Sera-t-il très vite. Faire autant avec le sujet. We'll be right back.
We'll be right back.